Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Excellence, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon et son presbytérium. Excellence, bien-aimé dans le Seigneur, à vous, autorités politiques et administratives, religieuses et coutumières, parents, amis et connaissances, recevez les sincères salutations dans le nom du Seigneur Jésus, le Christ, maître de l'espace et du temps, qui vous invite à travers cette cérémonie d'admission des candidats au sacerdoce. Le diocèse de Yopougon est honoré. Le vicariat Saint-Vincent de Paul et ses agents pastoraux, la paroisse Immaculée Conception de Lukodjuro avec son équipe presbytérale et ses deux conseils pastoraux et économiques vous souhaitent la bienvenue. Là où est le cœur, le pied se presse de s'y rendre. Et aujourd'hui, pour ajouter votre flair à la beauté de cet événement historique, empreinte de foi, de bonheur, vous n'avez pas voulu vous faire raconter l'événement. Votre présence en dit long et nous donne de comprendre que vous vous associez à nous, chrétiens, catholiques, de l'Église, de Lukodjuro, pour que vous vous donniez de comprendre que vous êtes des témoins. Vous vous associez à nous, frères et sœurs, pour écrire une belle page d'histoire, l'histoire de Lukodjuro et l'histoire de l'Église entière. Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, du 25 juin au 2 juillet, le 25 juin pour les confirmations et le 2 juillet pour la prise de soutane, en passant par le mercredi dans la période de carême pour votre visite pastorale ici dans cette même paroisse, la cloche de l'Immaculée Conception a retenti trois fois pour annoncer votre présence, signe d'amour et d'intérêt particulier pour l'Église qui est à Lukodjuro. En communiant avec nous à cette joie, vous répondez tous à l'appel du Seigneur qui demande de prier le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Vous êtes donc en phase avec le Seigneur Jésus. Vous devenez les envoyés du Seigneur qui avait désormais la lourde responsabilité de conduire à son accomplissement le divin projet de Dieu de faire de ces jeunes gens, ces grands séminaristes, des instruments, des griots de la bonne nouvelle dans le diocèse de Yopougon et au-delà de ses limites. Chers encadreurs, chers formateurs du grand séminaire, chers parents, chers amis et connaissances, accompagnons ces candidats devant l'autel du Seigneur afin que notre Père évêque nous les présente officiellement et que, mus par la dynamique du Saint-Esprit, leurs rêves deviennent réalité avec la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que cette célébration soit une célébration à la gloire de Dieu et pour notre salut, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui revient vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Car toi seul est saint. Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la grâce de l'adoption filiale nous... Par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Les grands séminaristes doivent être appelés, puisque vocation, ça vient du latin appel. Et il faut que officiellement ils soient appelés. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a une cérémonie par laquelle le séminariste démontre qu'on ne l'a pas forcé à entrer au séminaire. Vous allez me dire, mais c'est évident. C'est la même chose pour le mariage. Vous faites 3 mois de préparation, mais quand même, on vous demande, est-ce que vous voulez prendre pour... Tout le monde est là, on sait que ça va marcher. Je ne sais pas si quelquefois on a demandé à quelqu'un, voulez-vous prendre pour époux maintenant? Et puis on répond, non. C'est arrivé, mais c'était par erreur. Chez les militaires, comme ils ont souvent l'habitude de plaisanter avec... Il y a un qui disait non. Alors, on a repris et puis on lui a dit, tu as dit, il faut dire oui. Il dit non, mais j'ai dit oui. On dit non, non, tu as dit non. C'est là qu'il s'est rendu compte que, voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire. Ils vont répondre oui. Et à partir de ce moment, ils sont reconnus au niveau du séminaire et du diocèse comme des candidats officiels pour être grands séminaristes, c'est-à-dire... futur prêtre pour le compte du diocèse de Yopougon. Voilà ce que nous allons faire tout à l'heure. Je dois vous dire que c'est une formation qui dure. C'est le bac est le premier palier. Il faut avoir le bac. Une fois qu'ils ont le bac, ils ont, je crois, 9 ans. Répondez, aidez-moi, hein, il y a longtemps que... D'accord. C'est 9 ans après le bac. Formation, stage, ceci, etc. Et maintenant, on leur a imposé la licence en philosophie. Et après la licence en philosophie, ils font les années de formation en théologie. Tout ça mis ensemble, ça fait 9 ans. 9 ans pendant lesquels tu as le temps de réfléchir pour savoir si
tu veux continuer ou pas. Cependant, même après le bac, il y a un test qui sanctionne leur capacité pour entrer au grand séminaire. J'ai la douleur de vous annoncer, ce n'est pas la profonde douleur, c'est la douleur normale, que sur les 7 candidats chargés de vocation, c'est 7, n'est-ce pas? 7 candidats qui ont été examinés individuellement par une équipe de 12 prêtres, nous n'avons pu retenir que 3. On fait la mise en commun. Ils font un... comment on appelle ça? Un entretien. Et on a retenu 3. On attend ceux qui vont avoir le bac cette année, qui sont au séminaire, au moyen séminaire, pour compléter le nombre. Rome nous a envoyé un document très compact qui, en tout cas, sert encore, renforce les modalités qu'on doit observer pour accepter les candidats. Voilà, j'ai donné le résultat à mon chargé de vocation. Peut-être que tu l'as déjà reçu. L'un de ceux qui ont fait l'entretien avec moi, il y a le vicaire épiscopal, chargé du clergé diocésain qui est là, le père Lolo. Voilà. Mais levez-vous, Dakia. Le père Lolo, vicaire épiscopal chargé du clergé diocésain, nous qui sommes dans les paroisses, et le père Dacha, qui est chancelier du diocèse, un autre vicaire épiscopal chargé de la vie consacrée, c'est-à-dire les franciscains, les dominicains, tous ceux-là, ils ont leur... Bon, bref, et vicaire général, ce sont des hommes de qualité qui les ont examinés, et c'est le résultat que j'ai donné. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il y a trop de prêtres. Chaque année, le diocèse de Yopougon envoie des prêtres dans les diocèses de du Nord, Katuela, Odiné, Korogo, jusque Ma et dedans. Maintenant même, on a fini les affectations, mais Ma nous demande vraiment de faire un effort pour leur envoyer un prêtre. Et donc, même San Pedro demande, bref, il y a une répartition inégale sur les territoires, on a encore besoin de prêtres. Voilà. Voilà la situation concrète sur le terrain. Et nos prêtres formés ici vont faire 3 ans renouvelables une fois dans le Nord et ils reviennent dans le diocèse. Le thème principal de ce jour, comme vous l'avez remarqué, c'est de venir en aide aux serviteurs de l'Évangile. Dans l'Ancien Testament, oui, je peux déposer. Dans l'Ancien Testament, on nous a donné le cas du prophète Élisée. Il a l'habitude de passer chez un couple. Et ils ont une ingénieuse idée, généreuse. Il dit, mais il passe chaque fois. Il est mieux qu'on lui fasse une couchette et puis un dispositif pour qu'il puisse se recueillir, table, lumière, etc. Et Jésus nous dit dans l'Évangile, si vous donnez ne serait-ce qu'un verre, même si c'est un verre d'eau, mais il a précisé la qualité de l'eau, hein. Un verre d'eau fraîche. Il est exigeant, hein, parce qu'il fait chaud chez eux là-bas. Je n'ai jamais eu aussi chaud, je crois que Paulin. Vous êtes allé à Qumran aussi, là. C'est l'endroit le plus chaud de la terre, moins 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc, il fait extrêmement chaud dans cette région du monde. Donc, Jésus dit vraiment, même dans la qualité de l'eau, soyez gentils. Donnez un verre d'eau fraîche. Et votre, c'est garanti. Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète recevra sa récompense.
que le prêtre vous ait béni ou bien non, Dieu, lui, il tient toujours à ses promesses. Eau fraîche, nourriture, etc. C'est grâce à ça que les missionnaires ont pu travailler. Ils quittent leur pays, ils viennent et ils vivent de ce qu'on leur donne. Alors, ce livre, c'est le directoire du ministère pastoral des évêques. Avec votre patience, les prêtres, ça vient de Rome, hein, c'est ce que nous les évêques, c'est notre directoire, c'est sur ça que nous devons marcher, on nous donne des consignes. Il est dit dedans, attention aux besoins humains des prêtres, c'est pas spirituel, humain, ça veut dire concret. Les prêtres ne doivent pas manquer de tout ce qui permet un style de vie convenable et digne. Les fidèles du diocèse, c'est-à-dire vous, doivent être conscients qu'il est de leur devoir de venir en aide à ses besoins. Ça, ce n'est pas un document fait par quelqu'un, ça vient de Rome, de la congrégation pour les évêques. Il n'y a pas quelqu'un qui a signé. C'est ce que l'Église demande. L'Église compte sur vous. Et Jésus-Christ aussi compte sur vous. On dit d'être conscient de ce devoir. En premier lieu, à ce sujet, l'évêque doit s'occuper de leur rétribution. Ils travaillent, ils doivent avoir quelque chose. De leur rétribution, qui doit être proportionnée à leurs conditions, etc., etc. Alors, Jésus a dit aussi une autre chose très simple. Il dit, là, partout où vous allez, mangez ce qu'on vous servira. C'est-à-dire qu'il suppose que quand nous allons chez vous, c'est vous qui devez nous donner à manger. Mais on ne peut pas gâter votre nom. Sur ce plan-là, on ne meurt pas de faim. La semaine passée, 22 heures, une dame a frappé. Elle dit, je suis en retard, mais ce n'est pas grave. Elle vient de la Riviera pour m'apporter à manger. 22 heures. Je n'étais même pas là. J'ai demandé à des gens de réceptionner. Donc, sur ce plan-là, Nyamankuchi, Bissap, Kutuku, du vin, tout ça, tout ce que vous pouvez. On est des gens normaux. Ceux qui sont proches de nous savent qu'on prend du fromage, etc., qu'on mange les choses tout à fait normales. Nous sommes issus de nos maisons. Mangez tout ce qu'on vous servira. C'est ce que nous faisons. Donc, on dit de nous prendre en charge. À ce propos, je voudrais vous dire que dans le diocèse de Yopougon, il y a une pratique qui est louable, la dîme. C'est plein dans la Bible, Malachi 3, Nombre 18, etc. La dîme. Je voudrais porter à la connaissance de diocésains de Yopougon que quand vous payez votre dîme chez votre prêtre, la dîme que vous donnez en ville arrive aux paroisses rurales. On a demandé à toutes les paroisses de verser 20% de leur dîme pour le compte des prêtres qui sont en zone rurale. Parce que dans les zones rurales, la dîme, il y a une grande disparité entre les, vous le savez, les prêtres qui sont en ville et les prêtres qui sont dans les zones rurales. Or, c'est nous tous que Jésus a envoyés. C'est nous tous qu'on doit aider. Mais par la force des choses, d'autres sont désavantagés. C'est pourquoi je vous parle de la dîme. Dans ma paroisse d'origine, la fête de charité, quand on fait de charité, tout le monde se réunit, n'atteint pas la dîme que un vicaire. Dans même Yopougon, un vicaire, à la fin de l'année, quand on partage les dîmes, ce qu'on donne à un vicaire, c'est plus important
que ce que nous, dans ma paroisse d'origine, Ada, quand on fait fête de charité, ça n'atteint pas la dîme qu'on donne à la fin de l'année à certaines paroisses de Yopougon qui sont riches. Ce n'est pas leur faute. Les gens là-bas, la dîme est élevée. Honoraire de messe, la première paroisse de Yopougon, c'est Saint-Mathieu. 20 millions d'honoraires de messe par an. Nous partageons les honoraires de messe. Nous partageons la dîme. Laissez-moi vous dire que les 20% qu'on prélève sur la plupart des paroisses, c'est les paroisses de ville qui donnent les gros sommes, nous permettent, les 20% nous permettent chaque Noël de donner 200 000 francs aux prêtres en zone rurale. 200 000 francs pour aller à Noël. C'est parce qu'en vacances, ils vont bientôt partir en vacances, toutes les paroisses rurales, les prêtres recevront encore 200 000 francs. Ça fait 400 000 francs. Que nous prenons des 20%, disons, la vérité des paroisses de ville. Donc, payez votre dîme. Jésus, la parole de Dieu, Malachie dit, le Seigneur dit, j'ouvrirai pour vous les écluses du ciel. C'est comme un robinet de grâce pour vous. Nos frères d'à côté, des églises évangéliques, protestantes, etc., pratiquent la dîme. Et ils sont généreux. C'est presque, chez eux, c'est obligatoire. On dit de donner. Vous gagnez ce que la promesse du Seigneur. Quelquefois, quand le Seigneur vous récompense, vous croyez que c'est la chance. Et cette année, j'ai eu la chance. Tous mes enfants là sont admis. Même celui qui ne travaille pas là, le paresseur, lui-même il est admis. C'est la dîme, ta dîme, tu nous as aidés là. On est en train de te récompenser. Il y a tel accident qui t'a été évité. Il y a tel entretien qui a marché. Tu étais sur la rue, quelqu'un s'est arrêté. Il dit, tu vas où? Il partait là où je m'en vais, il m'a accompagné sur là-bas. Dieu est en train de te récompenser pour ton verre d'eau fraîche que tu as donné. Et la dîme cette année, les 20% s'élèvent à 35 millions que nous distribuons aux prêtres en zone rurale dans le diocèse. Maintenant, on a commencé à donner aussi aux prêtres qui sont dans le nord, dans le pays. Donc, je le dis simplement, comme aujourd'hui c'est le thème, pour que vous gagniez des grâces en restant à vos places. En restant à vos places. Jésus dit, ça marche, ça ne ment pas. Donc, à titre d'exemple, mon village méthodiste, quand tu regardes le village, ça ne ressemble à rien. Fait de charité, 40 millions. 40 millions. Tout le diocèse du Yopougon, ce que vous cotisez pour aider les prêtres en zone rurale, ça tourne autour de 35 millions, etc. Mon village, là, méthodiste, uni, quand ils font leur fête de charité, c'est 40 millions. Et, c'est un autre esprit. Petit à petit, nous aussi, on arrive. Alors, Élisée, c'est la dame va avoir des enfants. Vous prenez Abraham et Sarah, c'est pareil. Hein? Ils n'avaient pas d'enfants, ils ont reçu les trois personnes divines là. On leur a dit, ta femme, malgré son âge, ça a marché. Ici aussi, c'est la même chose. Donc, je vous en prie, si vous avez des difficultés, invitez-nous à manger chez vous. Ça va faciliter certaines choses. Le prophète Élisée, c'est Jésus qui parle, hein. Au temps du prophète Élie, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Mais au temps du prophète Élie, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Mais Dieu a envoyé le prophète Élie vers la veuve de Sarepta, parce qu'elle a un bon cœur. Et c'était la famine, Dieu sait qu'elle a un bon cœur, mais elle est étrangère, elle est païenne. Elle a tellement bien reçu le prophète. Au point que le prophète lui a dit de faire une galette. Elle dit, je n'ai plus que ça là. Si je fais ça là, c'est pour manger avec mon enfant et puis on va mourir. Le prophète insiste, il faut faire pour nous. Si elle n'avait pas ce cœur là, elle n'allait pas le faire. Elle dit, bon, elle a fait, elle a donné au prophète. On dit, ton huile là, ça ne va plus finir. Ta farine là, ça ne va plus finir. Parce que c'est un serviteur de Dieu que tu as. Aider. Ne regardez pas notre manière de vivre. C'est la différence entre les catholiques et puis les méthodistes et tout ça. Donnez, 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 donnez.
Eux, ils disent de donner. Ils ne regardent pas si le prêtre, il est gentil, il est méchant, il a maîtresse, il n'a pas maîtresse, il parle mal et tout ça. Ils s'en foutent. Eux, ils s'en vont donner à Dieu pour avoir les grâces. Mais je vais vous surprendre. Hein. Les musulmans, ils sont dans cette dynamique. Il y a eu un temps où un musulman a aidé sérieusement la paroisse de Saint-Marc. J'étais avec le père Tito, grand séminariste. On était en panne sèche sur la route. Nous deux, nous étions en soutane. Vous avez entendu, hein? On était en soutane. Le musulman passait, il s'est arrêté. Le monsieur dit, ah, ça c'est bénédiction même. Quand on a dit panne sèche là, moi j'étais le plus jeune. C'était le curé, le père Tito. Viens. Ça là, il ne faut pas que je laisse bénédiction comme ça à quelqu'un. Il m'a pris pour mettre dans la voiture, on est parti. Il a pourvu à notre... Lui-même, il était content. Je ne vais pas multiplier les exemples. On est en retard. Dans la Bible, les Juifs étaient colonisés par les Romains. Les Juifs même ont pris un centurion romain. Ils sont venus vers Jésus. Ils disent, pardon, il faut ce qu'il te demande là, il faut lui donner. C'est lui qui nous a aidés à finir notre... synagogue. C'est lui qui nous a aidé à finir notre synagogue. Donc, c'est vrai que nous sommes colonisés, il nous maltraite, mais lui nous aide. Il faut lui donner. C'est les Juifs même qui l'ont accompagné. Il faut lui donner. On voit des villas qui sont remplies de cadres. Quand on dit le nom de cadres, toi-même tu trembles. Quand tu regardes leur villa, tu trembles. Mais l'église du village n'est pas achevée. Regardez dans vos villages, là. Regardez la qualité de nos maisons. La beauté de nos villas. Et puis regardez l'église du village qui n'est pas achevée. C'est un bâtiment sans complications. Il y a les quatre murs, et puis on arrange un peu, on couvre, c'est fini. C'est pas achevé. Ça vient d'où? Des bénédictions gaspillées. Comment on peut expliquer que des églises font des dizaines d'années avant d'être finies? Et tu regardes les villas, tu les respectes. Donc, voilà, ça c'était pour ma plaidoirie pour que vous preniez vos dîmes. Mais il est arrivé même qu'on renvoie les grands séminaristes de Yopougon parce qu'on n'a pas pu payer la pension des séminaristes. Ça, ce n'est pas le passé. Maintenant, les choses se sont arrangées. Je vous remercie bien pour ce que vous faites. Mes amis, il s'agit de port de l'habit ecclésiastique qui marque votre entrée dans le cursus normal du grand séminaire. Je ne vais pas vous perdre le temps. Ça, c'est le directoire, ça vient de Rome aussi, pour le ministère et la vie des prêtres que vous allez devenir. Alors, un cérémonial va me tenir le micro. Je vais lire ce que Rome même dit à propos du port de l'habit ecclésiastique. En Côte d'Ivoire, c'est la soutane et le clergyman avec le col romain. Voilà ce que le directeur a dit. Je lis sans changer quelque chose. Merci. Dans une société sécularisée et qui tend au matérialisme, où les signes extérieurs des réalités sacrées et surnaturelles disparaissent souvent, on ressent aujourd'hui particulièrement la nécessité que le prêtre, homme de Dieu, dispensateur de ces mystères, soit reconnaissable par la communauté également grâce à l'habit qu'il porte. Signe sans équivoque de son dévouement et de son identité de détenteur d'un ministère public. Le prêtre doit être reconnu avant tout par son comportement, mais aussi par sa façon de se vêtir, pour rendre immédiatement perceptible à tout fidèle et même à tout homme son identité et son appartenance à Dieu et à l'Église. Cela signifie que lorsque l'habit n'est pas la soutane, il doit être différent de la manière de se vêtir des laïcs et conforme à la dignité et la sacralité du ministère.
À cause de leur incohérence avec l'esprit de cette discipline, les pratiques contraires ne peuvent être considérées comme des coutumes légitimes et doivent être supprimées par l'autorité compétente. Sauf, écoutez bien, totalement en cas, sauf des situations totalement exceptionnelles, le pape utiliser l'habit ecclésiastique, c'est-à-dire la soutane ou le clergyman, peut manifester chez le clerc un faible sens de son identité de pasteur entièrement disponible au service de l'Église. Ça, c'est ça aussi, congrégation pour le clergé. Ce qu'on demande aux prêtres, de porter l'habit ecclésiastique. Jésus a dit, si quelqu'un a honte devant lui, devant les hommes, a honte de lui devant les hommes, lui aussi, il aura honte de lui devant son Père qui est dans les cieux. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Quand vous ne portez pas l'habit ecclésiastique, vous n'êtes pas nu, vous portez un autre habit. Si bien que les raisons pour lesquelles vous ne portez pas l'habit, Jésus ne peut pas être d'accord. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est l'Église qui vous demande de porter l'habit ecclésiastique. Si vous le faites, vous obéissez à l'Église. Et on dit ne pas le faire montre un faible sens de l'identité que vous avez. Vous savez qui je veux prendre pour vous donner comme exemple? Regardez les chrétiens célestes, pieds nus. Regardez les filles qui sont en mini. Elles sont en mini. Mais elles nous donnent un exemple. Même les autres femmes qui les regardent sont gênées. Mais elles sont fières, elles sont contentes. Elles peuvent braver tous les regards. Elles veulent porter mini. Et c'est ce qu'elles portent. Quelquefois, quand on parle avec elles, elles disent, tu dis des chaînes d'habits. À la maison, tous mes habits sont comme ça. Elle assume d'être en mini. C'est mauvais. Aujourd'hui, nous les hommes, nos culottes nous arrivent toujours aux genoux. Pour une femme ivoirienne, ta culotte arrive aux genoux, c'est que tu as un problème. Il faut que ça arrive avant le genou. On ne les suit pas. Les filles n'ont pas honte d'être en mini, d'être critiquées. Et toi, tu es près de Jésus qui t'a dit que si tu as honte devant lui, devant les hommes, il aura honte de toi, devant son Père qui est dans les cieux, tu as honte de porter la vie ecclésiastique. Et si tu vois des coutumes contraires, tu vas suivre. Mais il faut suivre. Il y a deux exemples. Il y a le mauvais et le bon. Suis le bon exemple. Porte l'habit ecclésiastique. C'est ce qu'on te demande. Alors, pour l'habit ecclésiastique, ce livre aussi, ça c'est pour les évêques, l'autre c'est pour les prêtres. Alors, c'est à nous maintenant, l'Église parle. L'évêque veillera à ce que, attrape s'il te plaît, l'évêque veillera à ce que les prêtres ainsi que les religieux aient un habit correct selon la loi universelle de l'Église. Et aux normes de la conférence épiscopale. Les normes de la conférence épiscopale en Côte d'Ivoire, c'est soutane ou clergyman. Voilà. De façon que leurs conditions sacerdotales se révèlent toujours manifestes et qu'ils soient aussi par l'habit des témoins vivants des réalités surnaturelles qui sont appelés à communiquer aux hommes. Voilà. Voilà ce que maintenant, il faut éviter les exagérations. Si vous allez dans mon village, nous sommes des gens du bord de la mer. Voici des lagunaires qui sont là. Il y a Dacha, où est Paulin? Congo. Paulin, lui, il est de Tchagba. Vraiment, on ne peut pas être plus lagunaire que quelqu'un qui est à Tchagba. Lui, il vit au bord de la lagune et sur la lagune. Dacha est lagunaire. Moi, je suis au bord de la mer avec. Tiens. Jean-Sylvain, il faut te lever. Nous sommes en. Voilà. Et puis je vois, il y a quelques ébriers aussi dedans. Bon,
notre habit traditionnel à notre âge, c'est la culotte, le truc pagne. Et si tu vas au village, que tu dois aller au champ, moi, c'est aller au bord de la mer où on achète du poisson et tout ça. Je ne peux pas me mettre en soutane pour aller au bord de la mer pour acheter du poisson. Je ne peux pas aller au champ en soutane. Il y a des endroits où c'est plus correct. Tu es en vacances, tu es au village, prends ta daba, ta machette, va au champ, travaille, va chercher du poisson, fais tout ça, mais pardon, tu fais ça, tu n'es pas en soutane. L'environnement, dans mon village où tout le monde sait que je suis prêtre, je ne vais pas me promener chaque jour en soutane. Mais si tu voyages, tu sors, il faut porter ta soutane pour être reconnaissable. Il y avait des gens qui jouent au football avec la soutane, on leur a dit non. Ça, c'est pas le passé. Tu devais jouer au football en soutane. Non. Mais prends ton baka en soutane. Voyage en soutane. Parce que dès que les gens voient que tu es prêtre, ils se rappellent, oh, il y a longtemps que je n'ai pas payé mon denier du culte. Il faut que je... Et c'est nous qui gagnons. Il y a des gens qui disent, mais il faut que je règle ainsi de suite. Les Ivoiriens respectent l'habit ecclésiastique. Je suis allé au marché, je voulais acheter quelque chose. Une dame est venue et a dit, qu'est-ce que tu veux acheter? Dieu merci, ce n'était pas quelque chose de très important. C'était le mouchoir blanc là. Elle dit, bon, tiens, prends ton truc là. Et puis elle a commencé à marchander pour ce qu'elle-même elle veut acheter. C'est comme ça que les gens se comportent avec nous. Donc, pour terminer, je vais vous faire rire. Il y a un corabier qui a arrêté un baka. Il regarde le papier. Il dit au monsieur, ah, vous êtes prêtre? Le monsieur dit oui. Il dit, oh, mon père, tu m'as perdu du temps. Il y a trois bakas qui sont passés. C'est depuis que je suis en train de regarder tes papiers là. Tu m'as perdu du temps. Si tu es prêtre là, il y a longtemps, tu m'as fait perdre trois bakas. Qu'à l'appel de leur nom, nos frères qui désirent être admis parmi les candidats officiels au sacerdoce s'approchent maintenant et manifestent leur intention devant l'Église. Bedi Akmel Joël, de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Jesco. Diamant Nietzsche Delmos Magloire, de la paroisse Saint-Léon le Grand d'Atoutoubi. Kiné Tanga Wilfried, de la communauté de l'Emmanuel. Quadio Paten Victorien, de la paroisse Saint-Pio de Dabou. Niane Tata Animel Jean-Richard, de la paroisse Sainte-Élisabeth d'Ananeret. Niava Mambé Akré Toussaint Fulgence, de la paroisse Saint-Marc des Toits Rouges. Et enfin, Sobou Ovu Nguessan Georges, de la paroisse Christ-Roi de l'Univers. Père,
La Sainte Église vous présente ses fils et vous demande de les admettre parmi les candidats officiels au sacerdoce. Ceux-là ne sont pas concernés par le test dont j'ai parlé et ils sont déjà dans le circuit. Ils marchent vers le sacerdoce. Vous avez déjà fait combien d'années? 4 ans. Merci. Vous avez encore 5 ans, du courage. Chers fils, ceux qui ont la responsabilité de votre formation, vos professeurs et vos formateurs et ceux qui vous connaissent témoignent en votre faveur. Nous pouvons leur faire confiance. Ainsi donc, voulez-vous, en réponse à l'appel du Seigneur, poursuivre votre formation pour acquérir la compétence nécessaire au ministère de prêtre? Oui, je veux. Voulez-vous développer en vous une ferme disposition à servir le Christ Seigneur et son corps qui est l'Église? Oui, je veux. Chers fils, l'Église accueille avec joie votre projet, ce que Dieu a commencé, qui le mène à son terme. L'évêque va maintenant prononcer une prière de bénédiction sur les aspirants. Seigneur, bénis nos frères Joël Magloire, Wilfried Victorien, Jean-Richard Fulgence, Georges, qui se présente pour ton service et le service de ton peuple. Qu'il se laisse conduire par ton Esprit Saint et s'attache au Christ par un amour sans réserve. Que notre foi et notre charité les aident, que le témoignage de notre vie les soutienne, que notre prière les assiste, enfin, que ton Église ait un jour le bonheur de les accueillir parmi les prêtres par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous procédons simplement à la sanctification de ces soutanes par rapport à leur origine pour que nos jeunes frères puissent les revêtir immédiatement après. Recevez cet habit, signe visible de votre désir d'appartenir à la grande famille sacerdotale. Portez-le toujours avec respect et dignité. Appliquez-vous en toutes circonstances à revêtir le Christ, montrez à tous qu'il vit en vous. Amen. Nos frères viennent d'être admis comme candidat officiel au sacrement de l'ordre. C'est pourquoi ils vont revêtir la soutane, signe visible de cet état et de leur engagement. C'est l'habit ecclésiastique par excellence qui exprime déjà comme en filigrane l'appartenance au corps clérical. Ainsi, le séminariste revêtu de la soutane est certes encore un laïc, mais résolument en marche vers l'état de clerc. Il est comme à cheval entre les deux états de vie. Ce n'est donc pas un aboutissement, mais le véritable début d'un cheminement. C'est donc le moment d'une prière intense pour tous ces jeunes, afin qu'ils répondent fidèlement et généreusement à l'appel du Seigneur et à l'appel de l'Église. C'est aussi l'occasion de les soutenir et à travers eux, soutenir
toutes les vocations. Nos frères, revêtus de la soutane, font leur entrée dans l'Assemblée. Nos frères revêtus de la soutane reçoivent à présent le baiser du père de l'évêque seulement. Puisqu'il ne s'agit ni d'une ordination de diacre, ni d'une ordination de prêtre, c'est le signe que lui seul les a acceptés comme candidats officiels au sacrement de l'ordre. Seigneur, de fortifier les pasteurs de ta Sainte Église dans la fidélité à l'annonce de ta parole à tous les peuples. Seigneur, d'assister les gouvernants de nos nations, singulièrement ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, dans cette noble tâche d'œuvrer à l'unité et à la paix. Seigneur, de soutenir les pas de nos élus du jour en
dans cette première étape vers le sacerdoce ministériel. Qu'il te plaise, Seigneur, d'accorder à notre communauté en prière la grâce de l'abandon total entre tes mains et la joie d'annoncer sans fin tes merveilles. Sois attentif à nos supplications, Seigneur, et daigne bénir nos frères Joël, Magloire, Wilfrid, Victorien, Jean-Richard, Fulgence, Georges, qui désirent se vouer au ministère sacré pour ton service et le service de ton peuple. Qu'ils persévèrent dans leur vocation, qu'ils s'attachent au Christ prêtre par un amour sans réserve, afin de pouvoir un jour recevoir la fonction apostolique de prêtre par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être... Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de tes dons, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, nous proclamons ta gloire en disant « Saint ». Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Ainsi, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Salomon Lesoutier,
et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Ta bonté sur ces séminaristes permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres Pierre et Paul et tous les autres, les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons tous part à la vie éternelle et que nous sentions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dans nos maisons de ton amour.
Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion, ainsi relié à toi par une charité qui ne passera jamais. Nous porterons un fruit qui demeure pour toujours par le Christ notre Seigneur. Mon Seigneur, je voudrais au terme de cette célébration vous dire sincèrement merci. Merci pour l'amour que vous avez pour vos séminaristes. Vous trouvez toujours un temps pour être avec eux. Aujourd'hui, c'est la prise de soutane. Vous avez fait tout possible pour être là, pour célébrer cette messe. Je voudrais sincèrement vous dire merci. Oui, permettez-moi de présenter les formateurs. C'est grâce à eux que nous avons ces personnes-là. C'est une œuvre très mortifiante. J'ai enseigné au grand séminaire. Moi, ce qui me fatiguait le plus, ce sont les cloches. 14h15, on sonne. 14h25, on sonne. 14h30, on sonne. Et ça fait combien d'années que tu es dedans? 13e année. 13e année. Alors, c'est le reste debout. C'est notre, disons, meilleur élément en formation biblique. Lui et moi, nous avons le doctorat en théologie biblique. Mais lui, en plus de cela, il a fait une autre spécialisation en écriture sainte, en exégèse, dans la connaissance biblique. Donc, il fait partie de ceux qui ont meublé la Bible, dite la Bible africaine. Il a été membre de ceux qui ont travaillé à cette... Voilà, il dit qu'il a coordonné autour de 80%. Il est du diocèse de Yokougon et je suis fier de lui. Paulin Kongo de Tchagba. On va l'acclamer. Merci, Monseigneur. Je vais finir. C'est de Tchagba que vient le chant. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait. Ça vient de la lagune de Tchagba. Et aussi, je publierai ton nom, ô mon Dieu, parmi mes frères. Ainsi de suite. C'est un petit village, mais ils sont brillants. Merci. Alors, je voudrais aussi profiter pour présenter les autres formateurs. Virgile, tu es, on dit recteur, non? Du collège, recteur. Directeur du collège catholique Charles de Foucault de Dabou. Voilà. Théophile, voilà. Il est de la communauté de l'Emmanuel, rwandais, professeur de dogme à spiritualité. Anyama aussi, formateur. Merci. Notre père évêque, je disais tantôt que par trois fois vous passez nous saluer, nous stimuler dans notre marche vers le royaume des cieux à travers vos enseignements que vous nous donnez. Et par votre présence, nous arrivons à prendre la voie sur laquelle le Seigneur nous attend et nous demande de nous mettre à son service. Aujourd'hui, vous donnez encore un poids qui soutient notre foi. Et lorsqu'il s'est agi de venir ici, vous n'avez pas dit que vous n'aviez pas le temps, votre emploi du temps est chargé. Mais vous avez dit pour Lokodjuro, je viens. Alors nous pourrions être tentés de nous poser la question
en allant dans le sens des Saintes Écritures. De l'Okodjuro, que peut-il sortir de bon? Question à répondre par chacun, mais je voudrais répondre à votre place en disant la foi. La foi. Et à travers la foi, nous voyons ces semences qui, en ce jour, font leur premier pas. C'est un exemple de témoignage. Et nous en sommes gré, Monseigneur, Excellence. J'allais dire Dios. Voilà. Et je voudrais aussi dire merci à ses formateurs, au Père Paulin, au Père, au chancelier, le juge unique. Dire également merci au Père Lolo Donatien, vicaire épiscopal chargé du clergé, et le chargé de vocation qui, pendant ce temps-ci, chaque fois m'a appelé et qui avait à cœur la sortie officielle de ces jeunes gens. Et moi aussi, j'ai été honoré de fouiller pour savoir que je tiens encore. Et eux aussi étaient heureux de recevoir les enseignements. Alors, mes remerciements vont à l'endroit de vous tous qui êtes venus ici, autorités politiques et administratives, tous ceux qui avaient voulu être des nôtres pour nous accompagner, afin que nous puissions dire ensemble, nous avons accompli notre mission, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Merci à tous et à chacun, à nos pères venus d'ailleurs, ils ont été déjà présentés. Je voudrais leur dire sincèrement merci. Merci à toute cette équipe, à l'équipe de liturgie, à l'équipe de servants de messe et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette fête. À Ecclesia TV, à la chorale, et je vais encore plus loin, aux sacristains qui ont permis que tout soit ici pour nous permettre de célébrer cette joie. Ce bonheur dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que votre marche soit une marche à la gloire de Dieu, un témoignage à donner de vos moyens pour soutenir ceux que vous avez accompagnés aujourd'hui. La route n'est pas encore achevée. Sur cette route, Jésus-Christ est là, qui s'invite, comme il a eu à le faire avec les disciples d'Emmaüs, il s'invite sur cette route pour accompagner ses enfants. Dieu vous bénisse. Ce matin, en venant sur la route, j'ai trouvé un monsieur qui participe à la catéchèse. Moi-même, je donne des cours de catéchèse, mais aux adultes, ceux qui ont au moins niveau 3e. Et la formation dure 6 mois, de octobre jusqu'en juin, et on reçoit les sacrements. Mais ce n'est pas tellement pour ça que je voudrais intervenir. C'est que le monsieur, je l'ai vu, je l'ai salué. J'ai reconnu un membre de ma catéchèse ciblée, comme on l'appelle, pour les gens qui ne peuvent pas faire la catéchèse conventionnelle pendant les 3 ans. Donc, il y a des professeurs à l'université. Justement, le monsieur, il est professeur à l'université. Et des gens qui sont à la retraite, qui leur travail ne leur permet pas de faire de longues catéchèses. Alors, je m'arrête pour le saluer. Il me dit... Monseigneur, merci. Ah, on dirait que je n'ai pas ce livret-là. Hein. Il y a le livret, j'ai fait un livret sur 20 questions et réponses bibliques sur les statues et les images à l'église. Il me dit hier, quelqu'un l'avait abordé sur cette question. Il avait le livret avec tous les passages à l'intérieur. On était dans la voiture en venant. Et on s'est arrêté, on l'a salué. Et point par point, avec la dextérité d'un professeur à l'université, il a, lui, expliqué au monsieur, oui, il y a des statues, les statues sont défendues à l'église, mais il y a des cas où Dieu même a demandé de faire des statues. Et parce qu'il a reçu la formation, il avait le livret. Malheureusement, je crois que c'est le livret qui marche le plus,
J'ai trouvé quelqu'un à l'aéroport à Boaké, il m'en a parlé aussi, etc. Mais je ne l'ai pas ce matin. Alors, pour vous, de l'Immaculée Conception, je suis venu avec catéchèse biblique sur les fondements bibliques de l'Immaculée Conception. C'est vraiment petit. Avant qu'on finisse de regarder un feuilleton, c'est déjà, on a fini de lire. Et c'est, vous dites que Marie est Immaculée Conception, qu'elle a été conçue sans péché. Mais sans faute de votre part, vous n'avez pas les passages bibliques qui peuvent vous aider à le défendre. Et je suis à la paroisse Immaculée Conception de Lokodioro. Donc je suis venu avec quelques exemplaires pour que vous puissiez le prendre. En fait, ce n'est pas des choses compliquées, mais vous n'avez pas les passages. Je viens de vous dire que nous sommes deux que Monseigneur Mandieu a envoyés en formation. Il n'y en a pas beaucoup. Chacun a son domaine. Donc, je vous recommande ce livret-là. 1000 francs. C'est combien? 1000 francs. 1000 francs. Ce n'est pas toutes les créatures qui ont péché. Adam et Ève ont été créés sans péché. Et ils ont vécu sans péché avant de tomber dans le péché. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Jésus et sa mère sont chargés de résoudre le problème du péché originel dont parle David. J'étais pécheur dans le sein de ma mère. Donc, vous aurez des explications. On dit que la douleur, les douleurs de l'enfantement, c'est lié au péché originel. La Vierge n'a pas eu de péché originel. Vous verrez ça dans Isaïe 66, verset 7. On dit avant d'avoir les douleurs, elle a accouché, puisqu'elle n'a pas connu le péché originel. Le psaume 22 dit, tu m'as tiré du sein de ma mère. Bref, il y a plusieurs passages ici. On vous explique les douleurs de l'enfantement d'Apocalypse chapitre 12. C'est différent de tout cela. Vous, de l'Immaculée Conception, prenez ce livret et vous êtes tranquille, comme le monsieur qui nous a arrêtés ce matin. Alors, c'est pour compléter votre catéchèse. Mes frères séparés, nos frères séparés, les méthodistes, les églises évangéliques, eux-mêmes, ils sont heureux. Il dit, à la fin, le monsieur lui dit, grand frère, pardon. Il ne savait pas tout ce que le monsieur lui disait. Ici, c'est sur Marie. Marie a-t-elle eu d'autres enfants après Jésus? 20 questions et réponses bibliques sur les frères de Jésus et la virginité de Marie. Il y a des frères de Jésus, ils sont 4, mais ce ne sont pas les enfants de Marie. Jamais la Bible n'a attribué ses enfants ni à Joseph ni à Marie. Jacques, Joseph, Simon et Jude. Même après la mort de Jésus, Marie est au Cénacle. On dit il y avait parmi les gens qui étaient, les femmes qui étaient au Cénacle, il y avait Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Jamais Marie et ses enfants. Vous aurez les explications détaillées avec des exemples sur Abraham et Lot. Ils sont neveux, oncles, ils s'appellent frères, etc. Ça, c'est dans ce livre-là. 1000 francs. Décidément. Voilà le livre dont je parle. 20 questions et 4 réponses bibliques sur les statues et les images à l'église. C'est le livre qui marche le plus. Vous en avez vendu combien d'exemplaires? À ce jour, 17 à 18 000 exemplaires. 17 à 18 000 exemplaires. Dans les autres diocèses aussi, ça sort bien. Prenez pour vous mettre à l'aise. Mettez à l'aise vos enfants. Les passages bibliques sont à l'intérieur. On ne les renvoie pas à les prendre. Voilà. Beaucoup ignorent que c'est vrai, on a dit de ne pas faire des statues, des images. Mais Dieu a dit à Moïse qu'il va le rencontrer entre deux statues des anges sur l'arche de l'Alliance. C'est là que je vais te rencontrer. Le grand prêtre doit avoir une statue de fleurs en or. Et le texte dit qu'il est chargé d'attirer des grâces au peuple et expier des péchés. Plein de choses que vous ignorez. Donc, voici, lui, c'est 1500. Alors, 30 jours d'adoration. Parce qu'on a fait 4 années. Pour ceux qui sont de passage, le diocèse du Pougon a fait 4 années d'adoration. On vous parle de beaucoup de saints qui ont vécu sans jamais manger pendant des dizaines d'années, en mangeant seulement le corps du Christ et beaucoup d'autres choses que vous ignorez. Matt Robin, que Monseigneur Maurice Conan Kouassi a rencontré, celle qui a fait 50 ans sans manger, sans boire, sans dormir. Matt Robin, la Française, il y a son image ici. Et Monseigneur Maurice Conan lui a donné la communion. C'est un ancien évêque de Dalois. Il a eu la chance. Mais
la communion a quitté ses doigts pour rentrer dans le corps de Marthe Robin. Il n'a même pas eu l'occasion de mettre la communion sur sa bouche. Vous trouvez ce genre de choses dans ce livre, 100% sur l'adoration. 2000 francs. Et les clausures dont le pape a parlé. Quand vous priez, c'est comme dans la coiffure. On met quelquefois les clausures dans les cheveux. Aujourd'hui, c'est le mystère douloureux. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre Fils, qui sort glorieux du tombeau, est béni. Qui sort glorieux du tombeau, c'est clausure. Le pape Paul VI dit d'utiliser. Jean-Paul II a dit aussi d'utiliser. Et on a mis les clausures ici. C'est combien? 500. Alors, je crois que tu as un prix. Si quelqu'un prend 5. Sans les clausules, il prend 5. Il dit, si quelqu'un prend les 5, ça fait 5 000. Normalement, ça dépasse, ça fait 5 000. Mais je vous recommande les livrets sur la Bible. Parce que on a des difficultés à nous défendre par manque de documents de valeur. Donc prenez-les à votre sortie. 5 000 francs, c'est fait une bonne recharge. Vous pouvez sacrifier 5 000 francs pour que vos enfants et vous-même, vous puissiez être formés. Et au fur et à mesure que vous lisez, vous vous ouvrez à d'autres connaissances et vous pouvez aider les autres. Je termine en disant merci à la chorale. Vous nous avez fait sortir un peu de nos champs habituels. Je me rends compte que vous avez dû faire une sérieuse préparation à cet événement. Je salue les maîtres de cœur et je vous remercie pour tous les efforts. C'était bon. Que Dieu Tout-Puissant éloigne de vous l'adversité et dans sa bonté répande sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il rende vos cœurs attentifs aux paroles divines, afin que soient comblés des joies éternelles. Qu'il vous donne de comprendre ce qui est juste et bon, afin de courir toujours sur la voie de ses commandements, et ainsi de prendre part à l'héritage des citoyens des cieux. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce au Dieu. Jour du Seigneur, Dieu nous fait la grâce de bénéficier de la main du Seigneur avec son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lozoutier, évêque du diocèse de Yopougon, de nous revêtir la soutane. Et ça fait maintenant 4 années que nous sommes en formation, 4 années de formation de Dieu Labeur,
Et aujourd'hui, c'est un jour de joie que nous faisons. Le jour où le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir être admis, être compté au nombre des séminaristes du diocèse, nous ne pouvons que lui rendre grâce. Lui rendre grâce. C'est vrai que la marche n'est pas facile, mais par la persévérance et la foi en Dieu, nous finissons toujours par y arriver. Des jeunes se sont engagés dans la voie du sacerdoce. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de célébrer avec eux leur prise de soutane. C'est une étape très, très importante pour eux dans leur formation, comme l'a dit l'évêque. Une étape qui va leur permettre d'avoir accès au cycle de théologie. Voilà, donc nous prions pour eux. C'est un moment de joie, un moment de reconnaissance parce qu'ils ont parcouru un chemin. Ils sont arrivés aujourd'hui à ce stade-là. Ce n'est qu'action de grâce pour eux. Nous prions pour que le Seigneur achève véritablement ce qu'il a commencé. Voilà. Donc moi je pense que nous devons continuer de prier pour eux. Ce n'est pas terminé. Voilà. Ça ne fait que commencer maintenant en théologie avec la soutane. Il faut la porter. Il faut faire honneur à l'Église en portant la soutane jusqu'à ce qu'on arrive à l'ordination diaconale et presbytérale.